Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 décembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 15, versets 29 à 37. En méditant l'Évangile de ce jour, c'est le mot rassasié qui attire mon attention. Ce mot renferme toute une promesse, celle d'être rassasié par le Seigneur, par notre époux qui donne le festin des noces. Il promet dans l'évangile de ce jour, à travers la foule qui le suit et qu'il nourrit, il nous promet aussi et ainsi qu'il nous rassasie. Il est celui, le seul qui est capable de nous rassasier. Ce mot est utilisé deux fois. Jésus appela ses disciples et leur dit: « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent: « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? » Première utilisation du mot « rassasier ». Ensuite, il est écrit que « tous mangèrent et furent rassasiés ». Entendons bien sûr la foule. Donc, deuxième utilisation du mot rassasié. La question des disciples est très pertinente. De prime abord, lorsque nous évaluons la situation avec nos yeux du corps, il ne fait aucun doute qu'il est impossible de trouver dans un désert de surcroît assez de pain pour rassasier une telle foule. Non seulement on est dans un désert, mais en plus on a une multitude, une foule de nombreuses personnes. Pourtant, Dieu le fait. Dieu est capable de le faire, car il est celui qui ouvre un chemin là où tout semble fermé. Le psaume 40, 145, verset 16 déclare: Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Dans l'Ancien Testament, il est celui qui a nourri son peuple en faisant descendre de la manne du ciel en plein désert. Jésus est ce pain. Il est le pain descendu du ciel pour sauver les hommes. Lorsque les Saintes Écritures, les Évangiles nous disent la voix de celui qui crie dans le désert, c'est un cri qui retentit dans le désert que traverse chaque personne, qu'il s'agisse d'un désert matériel, physique ou même d'un désert spirituel. La voix de celui qui crie dans le désert. Et cette voix-là qui te parle maintenant au fin fond, du fin fond de ta situation, de ta détresse. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible, nous disent encore les Saintes Écritures. La question ici est de savoir, serions-nous capables? Serais-tu capable de reconnaître et de manger de ce pain alors que tu traverses un désert de peur, d'inquiétude, de détresse, de soucis, de problèmes financiers, etc. Il est écrit que de grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Tu n'es peut-être pas boiteux, aveugle, estropié ou muet sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, tu souffres, tu traînes des cécités, des handicaps. Le péché te colle à la peau comme la lèpre. Tu as besoin de Jésus, tu as be besoin de guérison. Aujourd'hui, toi aussi, viens déposer aux pieds de Jésus tous tes besoins. Viens déposer aux pieds de Jésus toutes tes infirmités. Viens déposer aux pieds de Jésus ta faim d'amour, ta faim de tendresse, ta faim d'être compris, d'être aimé, d'être accepté. Viens déposer tous tes besoins les plus intimes aux pieds de Jésus et il te rassasiera de guérison, de paix, de joie, de foi, d'amour et d'espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.